Bon, de retour dans mon lit et dans mon pyjama, ça faisait longtemps. Il est 11h23, j'ai mis en ligne la vidéo que vous avez regardée hier pour vous et que vous allez regarder aujourd'hui pour moi. J'ai fait la miniature, la description. Enfin voilà, ce matin je me suis occupée de ça. Là, je viens de me faire mon petit café et mes petits muffins. Je ne vais pas trop traîner, ensuite je vais ranger tout ce qui traîne et dès que les chats sont à l'intérieur, on va bouger parce que j'ai plein de choses à faire. Et tadam! Je vais pouvoir jeter l'autre tout pourri. J'étais allée voir exprès sur le catalogue de Lidl et cette semaine, il faisait un chinois, donc j'ai acheté ça et comme en ce moment je grignote tout le temps, ou en tout cas j'ai tout le temps envie de grignoter, et ben j'ai pris ça. Comme ça me fait grignoter, mais c'est sain. Et en plus, les tomates 1,99€. Donc pourquoi se priver? Quelle galère! Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Bon, là, je suis en train de faire un test. Ça, c'est beaucoup plus haut que ce que j'avais prévu, mais il n'y a pas moins haut. Mais en fait, c'est beaucoup trop haut. Parce que, bon, déjà, ce sera pas pratique quand je vais vouloir sortir mes trucs pour remplir l'eau et tout. Ici, c'est vraiment pas pratique, c'est trop haut. Mais c'est surtout que cette barre-là, qui n'est pas encore fixée, et qui est censé être fixé à cette hauteur-là. C'est une tringle pour faire un rideau, pour fermer ici, quand je laisse mes portes arrière ouvertes, comme ça on voit pas mes affaires. Donc je dois fabriquer un rideau, fixer cette tringle, pour avoir un rideau qui cache tout à l'arrière. Sauf que là, avec cette caisse qui dépasse comme ça, le rideau, il va faire ça. Mais mon tissu est pas assez long d'ailleurs, pour pouvoir aller jusqu'en bas après. Mon tissu est pas assez long pour faire ça, ça et aller jusqu'en bas. Mon tissu, il était censé tomber. Donc s'il y a que ça, ça va. Là comme ça. Le rideau, il pourra tomber là. Mais avec la grosse caisse devant là, ça va plus du tout. Donc il faudra que j'en trouve une beaucoup plus basse, vraiment en longueur. Je pense que je rangerai des papiers. Voyez? Là, j'ai cette pochette. Et là-bas derrière, je veux pas ouvrir parce que tout va tomber. Là, vous le voyez. Hop. Là, j'ai une pochette rouge et encore une pochette noire derrière avec des papiers. Donc, je pense que c'est ça que je vais ranger dans cette caisse. Donc, si elle est plate, ça suffira. Par contre, l'autre caisse va pour devant. Je vais vous montrer. Donc là, ici devant, j'avais plein de possibilités. Soit je pouvais mettre une caisse plate qui allait de là jusqu'en dessous là-bas et remettre une autre petite caisse par-dessus. Soit je pouvais mettre une grosse caisse ici assez haute. Soit je pouvais mettre une grosse caisse ici mais un peu plus basse et une deuxième par-dessus. Là, ce que j'ai trouvé, je fais avec les tailles que je trouve, hein. Ce que j'ai trouvé, ça peut aller donc soit comme ça. C'est pas trop mal, c'est pas ultra stable. Soit comme ça passe parfaitement en fait. Genre c'est. Là, ça passe parfaitement. C'est calé par les petits rebords comme ça. De l'autre côté, il y en a un aussi. Et par-dessus, j'hésite entre mettre une grosse comme ça. Et je trouve que ça fait un peu trop. Ça va faire un peu trop bordel. Ou une petite comme ça. Oula, pardon. Après, je sais pas si la petite c'est vraiment utile. Donc ce que je vais faire pour l'instant, je sais qu'il y a ces caisses-là à Intermarché et que j'ai pas prévu de bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais garder la grosse ici et je vais faire un test là tout de suite maintenant, mais je vais voir si je peux mettre les deux autres superposées ici. Et si j'ai besoin d'une caisse en plus, je sais que je pourrais en poser une ici. Elle est sage, hein. Je bouge mon bordel depuis tout à l'heure et elle bouge pas. Bon, alors ici, vous voyez par terre, oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Par terre, vous voyez, il y a cette grosse bosse et après ça descend. On voit bien. Donc, je peux pas. Je pourrais mettre
une caisse comme ça. Mais c'est un peu casse-gueule. Là, ça rentre parfaitement. Et je peux mettre celle-là, mais par contre, je peux pas mettre celle-là. Je vais pas la mettre comme ça. Elle passe pas en dessous le siège. Je vais pas la mettre comme ça. Là, c'est pas ouf. J'aime pas. Donc, de toute façon, je vais voir. Je pense que ça suffira. Surtout que cette caisse-là, là, elle est énorme. En fait, je vous explique. Ce qu'il faut que je trie et que je range, c'est tout ce qu'il y a dans ce carton. Donc, c'est beaucoup de tissus. Sachant qu'il y a les tissus des rideaux que je dois faire. Et tout ce qu'il y a dans cette caisse-là. Dans cette caisse-là, c'est beaucoup de mes carnets. Donc, si je trouve un box, ça ira dans un box puisque c'est des carnets utilisés. Et j'ai aussi des trucs là-dessous, là-dedans, du loisir créatif. Donc, tout ça, c'est tout le bordel que j'ai jamais su où ranger depuis que je suis partie, depuis que je me suis installée dans mon van. Je pense que je vais ramener cette boîte. Je pourrais aussi mettre deux boîtes comme ça. Je pourrais mettre deux boîtes comme ça et peut-être que je pourrais mettre plus. Parce qu'en fait, la boîte du fond là-bas, alors celle-là elle fait 14 de haut. Donc si j'en mettais deux, on serait à 28. Et la boîte du fond là-bas, elle fait 26. Et peut-être que celle-là, ce serait plus simple pour ranger mes tissus que celle qui est moins large. Vous voyez, elle est moins large en bas. En fait, je pense que je vais en mettre deux comme ça. Ça m'embête parce qu'elles sont transparentes, mais bon. Je ferai en sorte qu'elles ne le soient plus. Je vais regarder si elle tient bien aussi au sol. Je mettrai de l'antidérapant en dessous, mais je pense que je vais ramener celle-là et en prendre une deuxième comme ça. Je pense que ce sera plus simple. Même si je range mes carnets et tout. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Bon, je vais changer ça. Tada! C'est pas mal, en plus c'est presque la même taille du coup. C'est les mêmes boîtes, c'est la même taille. Donc par contre, il faut vraiment que je mette des pads antidérapants partout parce que sinon ça va me stresser quand je vais rouler. Et je viens d'avoir une révélation, il faut que je vous montre. Ici en fait, avec tout le rangement que je vais réussir à faire devant, avec toutes mes boîtes quand tout sera terminé, si je gagne assez de place, là-dessous, je sais pas si vous vous souvenez, attendez. Là-dessous, c'est donc c'est la litière des chats. En dessous, j'ai de la peinture. Et j'ai des classeurs avec mes papiers importants, en fait. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire en sorte d'enlever ces papiers de cet endroit-là et de les mettre dans une des caisses. Et là-dessous, je pense que je vais ranger tout mon stock lié aux animaux. Croquettes, litière, parce que ça prend énormément de place dans mon propre stock de nourriture. Bon, en tout cas, faut déjà commencer par ranger. Bon, le chinois à Lidl, les boîtes à Inter, je viens de jeter mes toilettes sèches. Et donc là, je vais aller à la laverie. J'ai pas trouvé la laverie où je vais d'habitude. D'habitude, je vais tout le temps à la laverie Révolution parce que c'est trop bien, c'est 24/24. Sur les parkings, souvent de Super U, d'Intermarché, Auchan, tout ça, ils envoient un SMS quand le linge est prêt et on peut payer par carte bleue. Mais sauf que là, bon bah, je suis perdue au milieu de nulle part. La laverie Révolution la plus proche, je crois qu'elle a 37 minutes ou 40 minutes. Je vais pas faire ça. Après, dépendamment du prix de la laverie où je vais, si c'est beaucoup plus cher que la laverie Révolution, l'avantage c'est que la laverie Révolution c'est pas très cher. Donc je vais voir. Si le prix là est vraiment abusé, parce que des fois il y en a, ils abusent. Je ferai 35 minutes, 40 minutes de route pour aller à la laverie la prochaine fois que j'ai besoin d'aller à la laverie. J'y vais à peu près entre 2 et 3 fois par mois. Donc je trouverai autre chose à faire en même temps qu'aller laver mon linge. J'optimiserai un peu mes déplacements, peut-être qu'il y aura des magasins de bricolage. Un Burger King. J'ai regardé tout à l'heure pour aller au Burger King parce que j'ai une copine qui m'a envoyé une photo de burger. Sauf que c'est à 37 minutes d'ici, donc je vais pas faire ça. Je vais faire vivre les petits commerces locaux et je vais me trouver un burger ici. Faut juste que je trouve un burger végétarien. Enfin, fond de la montagne, j'espère qu'ils ont quand même un peu la culture végé. Donc voilà, j'arrête de trop parler et je vais à la laverie. Bon, alors, je reviens de la laverie qui ne prend que la monnaie, évidemment.
Et je n'ai jamais de monnaie sur moi. J'avais 3 euros. Alors la laverie la plus petite, c'est 6 kilos 6 euros. Ensuite, il y a, si je ne me trompe pas, 8 kilos 8 euros. Et ensuite, 18 kilos 14 euros, je crois. Et 1,50 € pour 10 minutes de sèche-linge. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour faire de la monnaie, bah, je suis obligée d'aller manger un burger. J'ai pas le choix. Je suis allée au distributeur là, j'ai pris 20 euros, je vais aller faire de la monnaie au burger. Il est 17h, même pas 17h30. Le burger ouvre à 18h. Il faut que je trouve de quoi m'occuper en attendant. Et puis par contre, ça va être soirée laverie du coup. Parce que je vais manger et après seulement, je vais aller mettre mon linge à laver. Bon, c'est pas aussi pratique que dans mon imagination, mais la prochaine fois, je le saurai. Et je prévoirai des espèces. Donc voilà. Bon, il est 17h46. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Je suis restée assise là. Et j'étais sur Instagram. Et je le fais plus trop souvent. Hein. Ça va, j'ai le droit. Bah voilà, il est moins le quart. Je vais aller me garer tranquillement devant le resto. Je suis éclatée. Donc c'est parti, je vais manger. Après moult péripéties, j'ai enfin mon burger. C'est pas du tout celui que je voulais à la base, mais bon. Il n'y en a pas beaucoup qui font des options végé. Tempura d'aubergine. Normalement, il y a du pesto, de l'aubergine grillée, de la tomate et je ne sais plus quel autre. De la roquette normalement. Bah, c'est pas de la roquette, c'est de la laitue. C'est pas grave, on a l'habitude que dans les hamburgers, on n'est jamais ce qu'on commande, non? Je suis déjà sur le montage. Je m'avance. 18h52, c'est un exploit. Allez, bonne app. Eh bien écoutez. C'est vraiment très bon. Pour une fois que dans un hamburger végé, on n'a pas une simple galette de légumes ou galette de quinoa, ben franchement, c'est bien bon. Ça doit être encore meilleur avec la roquette. C'est dommage que là j'ai de la laitue parce que en plus j'adore la roquette. Mais c'est pas grave. C'est bon, ça va. En fait là, je suis garée en ville, juste devant le restaurant de burgers. Et tout à l'heure, c'était quand j'étais à côté de la laverie. Et ça fait deux fois en fait. Donc je disais. Et ça fait deux fois en fait qu'il y a des gens qui s'arrêtent autour du camion et ils me voient pas évidemment. Enfin évidemment, tout est fermé en fait. Et qui s'inquiètent pour Iris qui est à l'avant. Donc il y a des premiers qui ont toqué un petit peu à la fenêtre, donc du coup j'avais un peu flippé. Et là les deuxièmes ils sont restés autour en disant oh il a pas l'air, oh, il a pas l'air, oh, il a vraiment pas l'air. Et je sais pas s'ils disaient il a pas l'air malheureux ou il a pas l'air bien en point. Du coup j'ai crié. J'ai crié, mais il y a quelqu'un! Je sais pas s'ils m'ont entendu. Ils sont partis. Je sais pas s'ils ont entendu. Elle s'impatiente. En fait, il est 19h. J'ai pas fini de manger. Et il me reste la laverie. Et je viens de me dire que la laverie, en fait, elle est ouverte 7 jours sur 7. Donc ça, je peux le faire demain. Ça m'embête parce que j'aurais bien fait une journée que bricolage et rangement demain, mais c'est pas grave. Du coup là, je suis à 8 minutes d'un lac que je voulais aller voir. Donc je vais aller dormir à ce lac. Donc je vais aller direct après manger me poser à ce lac-là. J'espère que je pourrai me garer au bord du lac parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de parking, de place et tout. Loin de la route, mais je vais voir. Mais en tout cas, je vais pas aller à la laverie avant parce que ça va me faire partir la nuit, arriver la nuit noire là-bas. Si je dois chercher un autre spot qu'au bord du lac, ça va être chiant. Donc je vais finir vite de manger. Là, ça commence déjà à tomber. Voilà, elle est pète un câble. J'espère qu'elle va pas faire pipi. Donc je mange, je m'en vais. Toutes les couleurs d'automne sur la vidéo.
Ça y est, je suis arrivée sur le spot, donc au bord du lac, juste avant la nuit. Je me suis garée et à peine le temps de d'ouvrir à tout le monde pour qu'on aille se promener vite fait, il fait déjà nuit. Sinon, ça a l'air vraiment beau. Je suis vraiment garée au bord du lac. Je suis pas sûre que ce soit une place de parking, mais j'ai eu la place pour le van et je suis pas sur la route. Je suis devant des tables de pique-nique, mais je gêne pas. Il y a une énorme montagne derrière qui est magnifique, que vous venez de voir en vidéo. Je suis pressée d'être demain pour voir à quoi ça ressemble en plein jour. En attendant, je vais finir le montage de cette vidéo. Je vous dis à demain. Des bisous! Marie, voyage dans le Rafiki, avec Morphée, Iris et puis Litchi, à bord de leur Renault Master, parcourent le monde dans la bonne humeur.